D'est du royaume, le Titan des airs s'est poursuivi ce mercredi avec une quatrième étape marathon longue de 104 km. Sur la ligne de départ, quelques 450 concurrents de 24 nationalités. Le suivi de cette course VTT avec Adil UTT. Les concurrents ont effectué le départ de Merzouga pour rallier Fezzou par des températures avoisinant les 40 degrés. Ils ont de ce fait troqué les dunes de sable pour des étendues plus vastes à une altitude dépassant parfois les 800 mètres. L'étape du jour a été la plus rapide depuis le début de la course et ce, malgré la fatigue qui commence à se manifester au fil des étapes. Andrei Foytik s'est démarqué de ses adversaires en arrivant premier aujourd'hui avec un timing de 3h20 minutes et 56 secondes et un compteur affichant une moyenne de 31 km/h. Le Tchèque avait pourtant été discret lors des précédentes étapes où la navigation s'était avérée un atout majeur pour les coureurs. Au classement général, Roberto Bao Martin reste leader avec une avance d'une minute 54 secondes sur Josep Betalu Constantino. Les concurrents doivent désormais se reposer. L'étape du jour les prive de tout soin et de toute assistance technique. Demain, il sera question de l'étape la plus longue de la course, 143 km au menu entre le campement de Fezzou et celui d'El Jorf. Et on termine ce tour d'horizon sportif.